Salut mon monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ma toute première vidéo de booktubeuse. Voilà, c'est ma nouvelle chaîne de book de YouTube. Ma nouvelle chaîne YouTube, donc je suis booktubeuse enfin hein, du moment. Ça fait un bout de temps que j'attendais ça. Voilà, donc excusez-moi pour parler vite hein, mais je suis vraiment pressée. J'ai pas envie, je suis pas vraiment pressée mais... J'ai pas envie de me louper parce que ça fait 3 fois que je retourne cette vidéo et j'ai pas envie de me tromper encore et encore et encore et encore. Voilà, bref. Donc, je m'appelle Marie, j'ai 12 ans, je suis en 16e. J'en ai marre des cours en ce moment. Donc, il me reste une semaine avant l'école. Voilà. J'ai une chaîne YouTube pour ceux qui savent pas, donc c'est Mademoiselle Pinky. C'est une chaîne de podcast, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Également la chaîne de mon cousin en barre d'infos. Voilà, parce qu'il fait aussi des vidéos. Et voilà, donc excusez-moi pour cette présentation ultra rapide. Voilà, donc j'ai plusieurs livres à vous montrer. Donc je vous ai montré le titre sans faire exprès. Donc voilà, donc. J'ai emprunté 2 livres à la bibliothèque. Donc qui est Geek Girl tome 1. Voilà, donc c'est l'histoire de Harriet Manners qui est geek. Excusez-moi pour avoir parlé fort mais ça a parlé. Ça parle de Harriet Manners qui a 15 ans, qui est au collège ou au lycée, je sais plus. Je crois qu'elle est au collège, bref. Personne ne l'aime bien dans sa classe ou un truc comme ça, bref. Voilà. Elle a qu'une amie. Voilà. La liste est longue des gens qui la détestent. Voilà. Parce qu'elle nous fait. En gros, des petites présentations. Voilà. Donc, il y a 402 pages, 71 chapitres. Je suis au 31. Au chapitre 31 et à la page 156, et pour le moment j'adore ce livre. Voilà, donc j'ai pas fini la présentation. Donc Harriet déteste la mode et du jour au lendemain elle va se faire repérer par une agence de mannequins. Et sa copine est ultra jalouse parce qu'elle adore le mannequinat. Je spoil trop, bref. Et elle va passer de geek à chic. Voilà, bref, je vais arrêter Marie parce que sinon elle va pas arrêter de spoiler. Donc ça a été écrit par Hollis Mail et édité de chez Nathan, bref, je sais plus. Voilà, donc voilà, je vais me l'acheter à mon anniversaire. Enfin, les 2 livres que je voulais, que j'hésitais à acheter à mon anniversaire, ils étaient à la bibliothèque et je prends tout de suite. Le deuxième livre, c'est le livre de Perle de Timothée de Fontbelle. J'ai entendu que du bien concernant ce livre. Voilà. Donc je vous fais un rapide résumé. Donc c'est l'histoire de Joshua qui vit dans un monde lointain de chez nous, quoi. On sait qu'il y a des fées. Et il va tomber amoureux d'une fée. Mais du jour au lendemain, il va être éjecté de son monde, enfin emprisonné dans notre monde. Et dans notre monde, chez les humains, à l'époque du livre, on a la Deuxième Guerre mondiale. Pas à l'époque de sa sortie, hein, à l'époque dans l'histoire. On a la Deuxième Guerre mondiale et il va se retrouver vraiment emprisonné. Et il va faire tout ce possible pour retrouver le chemin du retour, pour retourner chez lui. Et retrouver sa fée bien aimée. Donc il a été écrit par Timothée de Fontbelle, voilà, et édité chez les éditions Caïmard. Voilà, donc vous allez vous demander pourquoi t'as pas la même couverture que nous. Est-ce une édition unique? Pas du tout, c'est la bibliothèque qu'ils ont décidé de mettre un truc rouge sur la couverture qui fait bien moche. Ils disent juste que c'est le pépite du roman adolescent européen 2014. Voilà. Mais sinon, j'ai bien le truc en dessous comme vous. Mais je vais me l'acheter aussi celui-là parce que voilà. Donc il fait 296 pages et il fait combien de chapitres? Attends, je vais vous dire ça. Attendez, je vais vous dire ça parce que j'y attends maintenant. Si je dis attends maintenant, ça va pas aller.
veux lire. Bon, il fait exactement 32 chapitres, vers 32-33, parce que j'ai pas pu voir le dernier chapitre. Mais vous voyez tout de suite qu'il y en a beaucoup moins de que Geek Girl. Voilà. Voilà. Donc, dans ma chaîne, vraiment, vous verrez vraiment des livres ultra connus comme ça. Après, vous vous dites, oh bah si t'as 12 ans, pourquoi tu lis ça? Mais moi, vraiment, ça, je m'en fiche de l'âge que j'ai. Même moi, je peux vous dire que je vais lire les Outrepasseurs à mon âge. Voilà. C'est. Voilà. Vraiment. Voilà. Donc, ces deux livres-là vont rejoindre ma bibliothèque. Bientôt. Bientôt. Voilà, une amie va m'offrir un truc. Voilà, je vous ferai mes cadeaux. Le book haul de mes cadeaux d'anniversaire. Très prochainement, dans un mois, voilà. Donc je sais pas ce que je vais vous faire en attendant. Non, pas dans un mois, le 1er juillet, non, le 1er, parce que je fais mon anniversaire le 1er juillet avec mes amis. Attendez, je vous le ferai le samedi. Attendez, mercredi on sera le 1er. Jeudi le 2, vendredi le 3, samedi le 4. Voilà, je vous ferai le 4 juillet. Il me semble que j'ai un rendez-vous et ça va m'énerver. Bon, bref, je vous ferai sans faute le 4 juillet. Vraiment, je vous tournerai cette vidéo à l'avance. Et je vous la mettrai sur YouTube le 4 juillet. Voilà. Ou sinon, ouais, je peux vous la tourner à l'avance. Ouais, bref, on va pas passer là en même temps. Je sais pas pourquoi je fais cette voix. Bref. Excusez-moi, mais... Oh, il est tombé. Je tiens à vous présenter le petit nounours. Voilà, vous le verrez sur ma bibliothèque. Mes deux petits nounours que vous verrez sans doute sur ma bibliothèque. Voilà. Ouais, je faisais ding. Bref, voilà, on va pas passer énormément de temps, mais voilà, je suis très drôle, hein. J'aime bien faire rire les gens. Donc voilà, si tu aimes les livres, que tu as la passion des livres comme moi, si tu aimes les livres encore connus, les romans, si tu aimes les nounours, si tu m'aimes bien moi, et si tu veux suivre mes vidéos à chaque fois que tu te déplaces, suivre mes moindres faits et gestes, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Et voilà, et mettez un pouce bleu aussi. Si pareil, si tu aimes les nounours, les livres, les romans, machin, bref. Voilà, et ça m'encouragerait si vous mettez des pouces bleus. Et si vous vous abonnez, voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao !